À tout moment, ça peut partir en couille. Hein. On attrape toutes les bulles. Hey, your car is crazy. Mais lui, il met son clignotant à droite pour tourner à gauche, il est excellent. Sans déconner. Ah, mais lui, il est magnifique. Ah, mais incroyable. C'est trop bien son truc à lui, là. Ah ouais, lui, il est en 2032. Ah ouais, ça, il va repasser, tu vas voir. Ah ouais, incroyable. Trop bien son machin. Il bombarde en plus avec son truc hein. Ouais, quasiment à 30 km/h. Hein. Puis il a son petit fauteuil et tout, il est au calme, petite suspension et tout. C'est limite s'il est pas équipé en all-ins quoi. Ah, incroyable. Oh là là, j'ai la flemme de rouler là, putain. Sérieux quoi. Ça fait 3-4 jours qu'on a que de la flotte à Copenhague, c'est horrible. Ça tue toute motivation, toute joie de vivre. Ah, c'est... Y'a personne dans les rues, c'est nul. Vas-y, en plus, y'a là les embouteillages. J'ai envie de faire de l'interfile, bordel. Mais je sais qu'ils sont tous là-bas. Ah, sérieux, le moment nul de ouf. Nul. Oh là, faut nul au carré. Je sais même pas si vous voyez grand-chose avec la caméra... avec la GoPro toute trempée, là. Sérieux. Il a plu toute la journée. Comme par hasard, le jour où je fais changer le kitchen. En plus, vas-y, je me suis trompé dans la couleur du kitchen. Tu sais, le vendeur, il me fait quoi? Il me dit, ouais, nanana, je vais te mettre une chaîne couleur jaune, un peu gold, tu vois. Je dis, ouais, franchement, pourquoi pas, ça tue. Sauf qu'en fait, c'est la chaîne, elle est gold, donc ça, c'est bon, pas de souci. Enfin, gold couleur or, voilà, t'as compris. Mais sauf que la couronne aussi est couleur or. Mais c'est dégueulasse. J'essaierai de te montrer, voilà, je rigole, mais je t'avoue que t'as... Parce que moi, j'ai pas vu, tu vois, il m'a pas montré les pièces, je pensais qu'on s'était compris, lui et moi. Et quand je reviens à la moto, quand elle est prête, t'as vu? Ah, j'ai vu la couronne couleur or. Ah, j'ai fait, ah non, frérot, non, il a pas fait ça. Ah bah vas-y, nique, hein, de toute façon, le truc est... Ah, vas-y, putain. Ah, c'est d'aller lui donner un coup de main. Hi? Do you need some help? No, I think I'm okay. If I can't fix it, I guess nobody really can. Ah. Did you try to push? Yeah, it actually went out when I gave it gas. So it tried to jump down on the way back. What's the problem? Is the plug? The... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Spark plug is kaput or you don't have gas? Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. The plug is fine. I think maybe this hole has gotten too big. Ah! J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? C'est... Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. But did you call somebody to help you or? I'll just push it a bit and then yeah. Fine. Maybe put the bike under the roof, something like that, and then you can I think I'll park it somewhere. I think yeah. Just over here. Okay, sorry, I can't do anything for you. T'es bête. T'es nul. Take care. Nul. Yeah, bye. Ah, capté, frérot. Hey, l'anglais s'améliore pas, putain, ça fait un an, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, du coup, vas-y, je te montre. Hop. Tu vois, c'est ça, c'est... Il m'a mis une couronne couleur gold. Bon, vous me direz si vous aimez bien, moi je déteste. Surtout que ça fait kitsch à mort. Sérieux, vous direz un jouet. Ces berges, je le respecte pas. En plus, j'ai... Bon, tu dis, ouais, nanana, il roule en plafard parce que...
Mon feu ici il est mort. Et c'est pas une ampoule. Ah, j'ai dans un faux contact. Oh, débarre le camion Nemo, frérot. Incroyable. Le mec il a un camion Nemo. Mais non. Mais c'est insolent de ouf. Waouh, il va pleuvoir ou quoi? Oh putain! Oh putain, regarde le ciel, pélo! Ah mon gars, on va se prendre une de ces sauces, ça va être incroyable. Là c'est tout bleu, là c'est tout gris. Et comme par hasard, on va où? Et ben on va vers le gris. Youhou! Vers l'infini. Ah ouais, elle est énervée, sa Lamborghini. Elle est énervée, frérot. Incroyable. Ouais, sérieux, mon gars. Elle est trop belle. Je sais même pas ce que c'est comme modèle. Avec la petite blonde sur le siège passager. Ah, je suis mort. Ah, en biton comme ça, elle est incroyable. Elle est insolente. Mais déjà, les thunes que ça doit coûter, genre en France. Mais alors, ici, mon gars, mais lui, il est multimillionnaire, c'est sûr. À tout moment, ça peut partir en couille. Hein. Ah, c'est une ouragan, d'accord. Ah, putain. Oh là là, mon gars, incroyable. Incroyable. Ah, c'est une ouragan, putain, je suis vraiment ce gars qui s'est marqué dessus en plus. Ah, il est en train de me chauffer là. Me chauffe pas, putain, mon petit chien il est mort là. On est en train de foutre le zbeul. Hey, your car is crazy. It's crazy. Very beautiful. Ah, je suis mort de rire. Ah putain, et bah, lui m'a refait ma journée lui. Ah putain, sérieux. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ah, c'était pas ma route, les gars. C'était pas ma route. Mais mon Dieu, si j'avais pas eu de rendez-vous là, mon gars, ah mais je l'aurais suivi direct, ça serait parti en couille, c'est sûr. Bon, je sais même pas si j'aurais pu le mettre sur YouTube parce que tu connais, hein, tu peux finir sans permis très vite. Communion avec la nature, les amis, communion. Non, sans déconner, c'est stylé le ref. On va mettre le clignotant quand même, qui casse pas les couilles. Ah, c'est vraiment beau. Ça donne quand même envie de piquer une tête. En plus, aujourd'hui, il fait grave chaud. Il fait 29 degrés. Il n'y a pas un nuage. Incroyable. Qu'est-ce qui nous a fait le rouleau de printemps, là? Oh, tu fais quoi, toi? Sérieux? Il est bourré ou quoi, lui? Mais sérieux, frère? Mais attends, mais il est pas net, lui. Comment il est monté sur le terre plein, gros? Mais comment ça goûte? Oh, la vieille Mustang, magnifique. Magnifique. Ah, les muscle cars comme ça là, déjà dimanche, début d'après, petite Mustang. C'est bon, là je pense qu'on est plutôt très bien là. Bruit de turbine, mon pote. C'est bizarre qu'elle fume comme ça sa caisse. Oh, elle est pas nette sa voiture, hein, frérot. Ah, comment elle fume? Elle est trop chelou sa caisse. On dirait qu'il manque un truc en dessous, vous trouvez pas? On dirait qu'il lui manque un morceau de l'échappement ou. Ah, c'est pas normal que ça fume comme ça à l'arrêt. Ah, mon gars, elle a des pneus à l'arrière. Oh.
Et là, tu vas voir, regarde. Et là, comment ça fume. Elle m'interpelle, sa voiture. Je m'interloque. Mais ça, je sais pas si vraiment il y a énormément de chevaux ou si c'est sa voiture. Si la voiture est asthmatique, tu vois. Parce qu'il y a quand même des pneus énormes à l'arrière, donc. Enfin, par contre, elle pue sa mère. Hein. Fou. Vous me direz dans les commentaires, les amis, parce que ça. Franchement, je m'interroge là sur cette voiture. Donc, c'est un 550D. Alors, il y a marqué M. Alors, est-ce que c'est là vraiment une M3 ou une M5 ou est-ce que c'est l'Alpac M? En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Oh là, regarde comment ça fume, gros, sérieux. Qu'est-ce que j'aime bien cette place. Du coup, avec mon boulot, on a déménagé nos locaux et tous les matins, je passe par cette place-là en vélo. Parce que du coup, je suis un vrai Danois maintenant. Je prends mon vélo tous les matins. Oh, petit golf flamingo. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas ce que c'est, les amis. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très vieux. Mais alors. Putain, qu'est-ce que c'est que ça, gros? Ça, c'est un truc des années. Ouais, peut-être 50, 40, hein. Ah ouais, elle est patate, hein. Avec la petite valise à l'arrière, là. Putain, ça se trouve, à 60, il doit être au taquet, gros, avec son machin, lui. Hein. Ah ouais, elle est patate, hein. Bon, par contre, le clignotant, c'est en option là-dessus. À mon avis, ça devait plus marcher.